créature que je présente ici, donc c'est une tête que j'ai peint en fait au départ il y a assez longtemps. C'était une technique de monotype, donc une encre noire assez épaisse en fait que je passais sur une plaque lisse, une plaque de verre. Et en fait, je dessinais à l'intérieur de cette peinture et puis je pressais ma feuille de papier contre. Ce qui fait qu'en fait, tous les détails des coups de pinceau et du travail apparaissaient. Alors le visage s'inverse, hein. Voilà, on est comme dans un miroir. Et ces monotypes avaient une teinte un petit peu dans des tons brun jaune qui étaient liés en fait aux produits que j'utilisais. Et récemment, je me suis amusé à les redécouper et à repeindre par-dessus à l'acrylique comme je fais actuellement. Voilà, soit de manière ancrée, soit par des aplats un peu plus couvrants. Et c'est intéressant d'ailleurs de mélanger comme ça des travaux très différents à des années d'intervalle. Et alors donc comme j'étais sur ces têtes, souvent je me suis rendu compte que la peinture qui était passée comme une perruque, donc des petits pans comme ça, de manière élégante de chaque côté du visage, et puis l'air un petit peu blasé aussi, ironique, entre la tristesse et un petit côté narquois, ça me faisait penser au personnage du roi. Voilà, et comme j'aime bien aussi voir dans la peinture parfois une sorte de grand jeu de cartes, je suis parti sur cette idée du roi. Dans sa majesté qui a imprimé une certaine signification à d'autres peintures qui vont suivre. La reine. Alors, il s'agit d'une peinture que j'ai réalisée à partir d'une photo de la tête de Marie-Antoinette, tête sculptée, hein, j'imagine, et ayant décidé de réaliser cette première peinture de la tête du roi, j'ai eu envie de couper aussi, ou de trouver la tête coupée de la reine. Donc c'est une peinture peut-être un peu plus sanglante, un peu plus réaliste, dans des tons assez froids, bleutés, des gris bleutés. Et ça fait partie de ce que je ressens souvent de la peinture, notamment du portrait, et puis de ce type de petits formats qui sont des 30-30. On a parfois l'impression justement d'être un chasseur ou un collectionneur qui va accumuler des chefs. Et puis on est dans une période en plus un peu, on est dans une période de changement. Il y a parfois des aspects révolutionnaires, contestataires, qui m'ont ramené à cette période de l'histoire. J'ai été très touché aussi par les peintures du Fayoum. Ces peintures mortuaires qui étaient faites à l'avance pour être placées à l'endroit où se trouvait le visage de la momie en Égypte, qui ont été retrouvés grâce aux conditions de conservation exceptionnelles, et où il y avait justement cette idée le visage du mort. Alors là, il s'agit d'un portrait de Van Gogh que je me suis amusé à réaliser sur les pages de notre ancien calendrier. Il s'agissait d'un calendrier avec des images tirées d'anciennes gravures naturalistes, des plantes, des poissons, des animaux. Et je n'aime pas que les images se perdent, je n'aime pas que les choses se perdent. Et puis ces images-là, en fait, on les avait contemplées durant de longues semaines, tous les jours. Donc elles avaient pour moi une valeur de mémoire. Ensuite, j'ai eu envie de travailler sur les armes liées à Van Gogh dans le cadre d'une future exposition que je prépare à Arles. Et donc j'ai cherché des images sur Internet du fameux revolver avec lequel Van Gogh se serait tiré une balle près du cœur. Voilà, donc ce revolver est conservé, tout rouillé. Il existe aussi des versions du modèle mieux conservées, hein, qu'on peut voir, et dont j'ai récupéré les images. Donc là, on a Van Gogh avec le revolver en fait, qui lui traverse la tête, qui est peint en dessous, au milieu des fleurs. Encore une fois, on trouve dans ce petit format à la fois la représentation de la mort, la représentation de l'art, quelque chose qui est plutôt gai en même temps, avec toutes ces fleurs, une tête pleine de fleurs. Donc c'est tout à fait pour moi l'image que j'ai de Van Gogh, suspendue entre son admiration pour la nature, pour le Japon, les jardins des Japonais, tout cet exotisme aussi qu'il a essayé de retrouver à Arles, et puis la tragédie.
On va voir aussi que les plantes sont assez présentes dans cette série sous différentes formes. Alors bon, là on est dans les têtes. Pour la suite, on est dans des têtes plus animées, plus amusantes, plus colorées, plus proches du dessin animé ou du jeu vidéo, puisqu'on a ici un personnage, le personnage d'un jeu qui s'appelle Plantes versus Zombies. Donc le lien effectivement pourrait être avec la peinture précédente, celui de la mort. Là, il s'agit en fait, c'est un jeu en anglais qui s'appelle Garden Warfare. Il s'agissait de lutter contre des hordes de morts qui envahissent le jardin en plantant des rangées de plantes, voilà, qui ont différents pouvoirs. Et la plante de départ, celle avec laquelle on commence, qui donc va y en a deux qui vont concentrer une certaine sympathie, c'est celle qui permet de se défendre, c'est le pistopois, voilà, qui crache des boules vertes en direction des assaillants pour les assommer et finir par les tuer. Dans la même idée que le pistopois, un personnage qui arrive plus tard dans le jeu, qui est une sorte de cactus, qui est capable de jeter ses piquants, les projeter également comme une arme, mais qui en plus est capable de se hausser, de se hisser, de s'agrandir et donc d'aller atteindre des adversaires volants. Voilà, un personnage stratégique du jeu. Et en fait, que j'ai retenu parce qu'il correspond à une forme que je dessinais assez facilement quand j'étais enfant, qui était cette idée de cactus vivant, des plantes capables de projeter aussi leurs épines, peut-être pour enrichir le sol autour d'eux, dans un milieu aride ou pauvre en matériaux nutritifs, et qui donc un peu telle une plante carnivore va être capable de s'animer. Il y avait cette fascination pour la frontière entre les règnes du vivant, entre le minéral et le végétal, entre le végétal et l'animal, entre l'animal et l'humain, et puis dans une forme aussi de science-fiction, avec des êtres qui pourraient être découverts sur d'autres planètes ou sur d'autres plans d'existence. Là, on a un fond très noir, avec en même temps beaucoup de lumière. C'est un petit peu cette lumière qu'on trouve avant ou après l'orage, lorsque le ciel est très sombre et qu'en même temps le soleil paraît. Donc là, il y a cette idée aussi d'une autre lumière, d'un autre monde. Par rapport à cette idée de planète, de nature, d'étrangeté, de végétaux parfois inquiétants, il y a aussi l'idée de la jungle. Alors j'ai beaucoup travaillé depuis l'été 2016 autour du livre de la jungle qui va faire se rencontrer deux thématiques qui me sont chères, nature et culture, le livre, le récit, le conte, l'objet livre tout simplement, et puis les créatures de la jungle, la vie sauvage, et cette hésitation entre l'aventure dans la forêt et le fait de revenir parmi les hommes. Donc cette peinture, un peu comme la première, comme le roi, est assez particulière techniquement. Il s'agit en fait de la rencontre entre une ancienne manière de travailler que j'avais lorsque j'étais à Bordeaux, où j'utilisais aussi un petit peu d'huile pour avoir des émulsions, où la peinture met des gouttelettes. Ensuite, elle adhère en séchant quand même. C'est ce qu'on appelle technique mixte. Et donc là, on a Balou qui danse au cœur de la forêt, avec la sensation d'une tache de lumière, d'une clairière, les fruits qui pendent, tout ce que la forêt peut offrir. Il en faut peu pour être heureux. Il y a aussi un petit torrent, enfin, tout ce dont on peut se souvenir par rapport à ce dessin animé et à cette philosophie, cet ours balourd et goguenard et joyeux. Pour reparler de l'histoire du revolver de Van Gogh, une nouvelle version de l'histoire a été proposée par deux historiens qui ont retrouvé des documents et qui ont estimé que peut-être Van Gogh ne s'était pas suicidé. C'est assez important pour moi puisque cela signifie que son séjour à Arles n'aurait pas totalement conduit à un échec, qu'il aurait réussi, au-delà des peintures qu'il a réalisées, à traverser sa maladie et à aller mieux. Donc dans cette version de l'histoire, Van Gogh va peindre dans la campagne,
Et en fait, il est blessé par des enfants qui jouaient aux cow-boys et aux indiens à partir d'une arme, une carabine 22 long rifle, un petit calibre, voilà. Et en fait, il maquille cet accident en suicide pour protéger ses enfants. Donc, dans le cas de cette série, je me suis amusé à peindre un visage d'indien, un enfant indien avec le même revolver toujours qui traverse le visage. Comme celui sur la peinture dont je parlais tout à l'heure. Donc par rapport à ces histoires en lien avec Van Gogh, avec Arles, je suis très ancré toujours aux endroits où je peins, et j'essaye d'interagir avec les histoires que ces lieux véhiculent, et je fais des rencontres, voilà. J'utilise la peinture aussi pour être dans cet échange permanent, ce dialogue avec un territoire. Et donc, cette personne possède un casque de moto avec une étoile au milieu de ce casque. Donc, sur cette photo, elle mettait en avant la marque des lunettes, un effet de mode. Ça m'a rappelé une histoire de Julio Cortázar dans un recueil de très courts textes qui s'appelle Chronope et fameux. À un moment donné, il y a un petit texte qui s'appelle Un fauteuil pour mourir. C'est un fauteuil qui est dans le salon est plongé dans l'obscurité, et sur le dos de ce fauteuil, sur le dossier apparaît une petite étoile argentée qui brille. Et tous les gens qui s'assoient dans ce fauteuil meurent. Donc les enfants savent que les adultes n'aiment pas parler du fauteuil, jouent avec, et parfois lorsqu'un invité ne se méfie pas et qu'il est reçu par les enfants avant de pouvoir... Rencontrer les adultes, les enfants l'amènent à s'asseoir dans le fauteuil. Voilà. C'est un texte assez étrange. Ensuite, toujours autour de cette exposition, j'avais pris l'image de trois paires de lunettes et en travaillant leur reflet, la manière dont une image apparaissait sur les verres, elles se sont mises à ressembler peut-être pour moi à des oiseaux de nuit avec de grands yeux. Et donc les montures hein, qui pouvaient être prolongées déjà au niveau du design se sont vues pousser, croître et acquérir des petites plumes comme des aigrettes ou des petites ailes. Voilà, donc on a un vol de lunettes. Donc c'est une animalité qui a tendance à envahir régulièrement la peinture. On l'a vu déjà avec la jungle, avec Baloo. Et pour rejoindre le thème de la royauté, il y a souvent aussi la notion de blason qui est présente. Comment est-ce que la peinture représente, symbolise, exprime l'identité, l'essence qu'un? Donc j'ai eu envie à un moment donné de me remettre à peindre des licornes. Je travaille aussi souvent sur le Moyen Âge, donc j'ai travaillé ces deux licornes, une version plus réaliste. Qui apparaît sur le côté, et puis la version vraiment dressée comme celle sur les armoiries qui se trouve à gauche. Voilà, la licorne, animal fantastique, exprimant la noblesse, et donc qui nous renvoie évidemment à cette série qui a des accents aristocratiques. Alors, la noblesse d'aujourd'hui, effectivement, c'est souvent celle des vedettes, qui sont les têtes couronnées d'Hollywood. Et en travaillant sur la mode, sur les lunettes, sur les chapeaux, lorsque j'étais en train de retravailler les images qui appartenaient à cette amie pour laquelle j'avais envie de réaliser une série, je suis tombé sur une image de Johnny Depp arborant un beau chapeau à ruban et une paire de lunettes voilà, de cette marque, probablement très classe. En fait, comme j'avais entamé cette série en même temps sur Baloo, j'ai placé la tête de l'acteur au milieu d'un début de jungle, de forêt. Et donc, en avançant ce travail, il y a eu de l'eau aussi, un cours d'eau, une forme de clairière qui est apparue autour de lui, entre Johnny Depp et la jungle, et ça a donné finalement la jungle profonde, Deep Jungle. Voilà comment les choses se mélangent, s'entrecroisent et finissent par tisser une image. C'est toute l'histoire de chaque petit dessin, de chaque petite peinture. Aussi simple paraît-elle, il y a beaucoup d'histoires derrière. Toutes ces images qui se déposent au moment où on exécute la peinture résument aussi tout un bagage imaginaire qui vient là se manifester par de petites apparitions, des fragments, des citations. Et en fait, le plaisir, lorsqu'on a l'occasion de travailler sur des séries sur papier, des petits formats, des choses qu'on essaye d'exécuter aussi rapidement pour ne pas trop alourdir le trait, ne pas rendre les choses trop réalistes.
Eh bien, le plaisir de cette exécution rapide, c'est de retrouver ces images, de jongler avec elles, c'est de pouvoir avoir ces instants privilégiés en face de la peinture et de laisser se manifester tous ces souvenirs, toutes ces impressions.